tout de suite. Et ça a été une semaine très difficile émotionnellement parce que je me sentais comme drainée. Et peut-être même le dimanche matin, peut-être vous êtes encore, vous n'êtes pas allé à l'église, je suis fatiguée et tout. Ou alors vous êtes là, mais vous êtes comme, oh, je suis fatiguée. Non, on a eu raison ce matin, alors que je pensais à ça. J'ai ouvert le psaume 150 qui dit: Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour sa grandeur infinie. Louez-le au son du cor. Louez-le au son du luth et de la cithare. Louez-le avec des danses et au son des tambours. Louez-le avec la lyre et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par des cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel, louez l'Éternel. Et donc, peu importe ta semaine, peu importe la fatigue, le verset que j'ai dit ne dit pas de louer Dieu parce que tu as une bonne semaine, mais pour ses hauts faits, pour sa grandeur infinie, pour qui il est. Donc une fois qu'on est ici, on laisse derrière tous nos soucis, tous nos problèmes, on loue Dieu pour sa grandeur infinie. On ne le loue pas par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on sent, mais on le loue pour qui il est. Donc ce matin, je vous invite à oublier tout et à juste vous concentrer à louer Dieu pour qui il est. Et l'équipe de l'ange va nous conduire dans la gloire. Seigneur, ce lieu est ton sanctuaire. Le psaume disait, louez-le dans son sanctuaire. Et nous sommes ici dans ton sanctuaire, que tu es le bienvenu. Et ce temps, nous voulons le prendre pour te louer, pour te célébrer, pour qui tu es. Que nos louanges réjouissent ton cœur de Père ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Digne, tu es digne, Jésus. Il est le roi des rois.
comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris la croix, que tu sois mort.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Prononce-le encore. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui.
Déclare-le dans ta vie, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat. L'Éternel est son nom. Déclare-le dans ta vie. Déclare-le. Déclare-le. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui,
t'attend, quelle que soit ta condition, et ça, son amour ne dépend de rien du tout. Il n'y a rien qui peut le séparer, te séparer de son amour. Il t'attend et ne te base pas sur quoi que ce soit, mais base-toi sur son amour, sur sa parole. Alléluia. Ne regardez pas la louange, ne regardez pas la louange.
la louange appartient à Dieu. Ne la gardez pas en vous. Je la sens, je sens qu'il y a la louange. Offrez-la à Dieu. La même chose pour ceux qui sont à la maison. Élevons la louange à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dieu tout-puissant. Ora seya pebara sontoya bakasan. Tu es le prince de la paix. Oui, il est le prince de la paix aujourd'hui. Je déclare qu'il est le prince de la paix aujourd'hui. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ces mots-là. Il est le prince de la paix. Amen. Si quelqu'un a parlé en langue, je sens que quelqu'un a parlé en langue pour l'église. Thank you.
Seigneur, nous disons oui. Commence par respirer chez vous. Reçois-le, reçois-le. Oh là là, tout ton être en a besoin, ton âme en a besoin, ton esprit en a besoin, ton corps en a besoin. Respire ce vent de liberté. Thank you.
La parole de Dieu nous dit que lorsque nous nous rassemblons et puis quelqu'un a une prière, à un psaume, de l'amener. Allez-y, allez-y. Vous avez un psaume, vous avez une parole. On va rester encore une fois quelques minutes à ce moment pour recevoir ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Non, Dieu ne rejette pas la femme intègre. Non, Dieu ne rejette pas l'enfant intègre. Et il n'affirme pas la main de ceux qui font le mal. Bientôt. Tu veux dire avec moi dans ton cœur, si tu te crois que tu dis bientôt, il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres d'acclamation. Ceux qui te haïssent seront revêtus de honte, la tente des méchants disparaîtra. Laughter. And you don't need to wait until you see these things. You can start laughing right now. Tu n'as pas besoin de dire, oh, je vais commencer à rire quand je vais voir la victoire complète. Mais quand tu as les promesses de l'Éternel et tu connais que le Dieu est fidèle, tu peux commencer avec tes rires même maintenant. Tu ris au milieu des difficultés. Tu ris au milieu des défis. Connais que l'Éternel, le Dieu des armées, est victorieux. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je te remercie pour ces rires, Seigneur. Je te remercie pour cette joie. Je te remercie que bientôt tes ennemis seront anéantis au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, que tu es fidèle quand tu vois l'homme fidèle. Je te remercie, Seigneur, quand tu es fidèle quand tu vois cette femme fidèle. Merci Seigneur pour ces promesses au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dresses une table pour moi en face de mes ennemis. Amen. Une table pour moi en face de mes ennemis. À toi la gloire, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Même quand les ennemis sont là, tu dresses une table pour nous. Et nous pouvons nous asseoir et manger. Vous savez, on n'a pas besoin que les ennemis disparaissent. Dieu dresse une table pour moi en face de mes ennemis. Il a donné la victoire à Israël. En face de Pharaon, il a laissé de l'autre côté, il a dit, je vais faire ça en face de toi. Ne regardez pas l'ennemi. Regardez celui plutôt qui est capable de dresser une table pour toi en face de tes ennemis. La victoire lui appartient, la gloire lui appartient. Nous sommes ses enfants, nous avons cet héritage-là. Nous pouvons toujours être confiants en lui et avoir cette paix-là, malgré ce qui semble être un ennemi redoutable. Nous pouvons, we can rest in his peace, even when
the enemy seems to be real and big. Amen. Amen. Merci. Okay, je vais
beaucoup de tout le monde. Ouais, quel meilleur moyen de lancer le jeûne et la prière pour 5 jours qui va commencer demain. Donc on va commencer le jeûne pour 5 jours et on prie chaque matin de 6h à 7h. Et cette prière est dirigée. À midi, c'est ouvert pour au moins 30 minutes de prière en langue. Vous pouvez, entre midi et 1h, se connecter et prier en langue pendant 30 minutes. C'est ouvert pour tout le monde, il ne sera pas dirigé. Et peut-être que ne vous attendez pas que vous allez trouver quelqu'un là-bas, mais prier en langue pour au moins 30 minutes. Et à 19h jusqu'à 20h, on a une autre prière. Et vendredi, on se retrouve ici et pour clôturer ensemble. Et vendredi de 19h à 20h30, on sera ici pour clôturer. Donc, on espère que vous serez tout le monde ici. Vous êtes les bienvenus. Donc, on va vous envoyer les sujets, les versets bibliques qui vous accompagnent, les chants qui vont nous accompagner tout au long de ces 5 jours. Vous pouvez gêner comme vous voulez. Comme vous le sentez, vous pouvez soit couper un repas, couper tout le repas et boire de l'eau. Et n'oubliez pas de boire de l'eau. Et donc vous pouvez gérer comme vous voulez. Merci. Le thème, c'est adoration par la foi. C'est le thème et tiré de Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 20. On va vous envoyer ce sujet, mais le thème général, c'est adoration par la foi. Merci, Espérance. Je voulais ajouter quelque chose par rapport au jeûne. Yves et moi, on avait commencé le jeûne cette semaine. Et comme je vous ai expliqué tantôt au travail, lundi, j'avais bien. J'ai peut-être dit, je vais prier 3 fois par jour comme Daniel. On se souvient que Daniel priait 3 fois par jour. Donc, je vais prier le matin, à midi et le soir. Les 2 premiers jours, j'ai bien fait. Et puis, le 3e jour, trop de travail, vendredi, puis j'ai envie de prier. Et quand je lisais ma vie dans Corinthiens, j'ai lu tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. Qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Et donc je me suis dit, waouh, le Seigneur me dit vraiment, ça c'est, il faut que je m'impose une discipline sévère. Il y aura toujours le travail, ça ne va jamais s'arrêter, il y aura toujours les occupations, mais vraiment si on veut prendre le temps avec le Seigneur, il faut qu'on s'impose une discipline sévère. En tout cas pour moi c'était comme, waouh. Et on parle de discipline sévère, c'est pas une petite discipline. Donc, vraiment, je vous encourage. Si vous avez décidé, je vais prier telle heure. Il n'y a pas de règle. Si vous dites, OK, moi je vais prier soit le matin, soit le soir, imposez-vous une discipline sévère. Et on sait que notre adversaire, le diable, il roule. Donc, il va vous envoyer toutes sortes d'occupations, de ceci, de cela. Imposez-vous une discipline sévère pour pouvoir. Prendre ce temps et entrer dans la présence de Dieu. Amen. Donc, on va laisser aller les enfants. Je vais prier pour les enfants. Et puis, Seigneur, nous te rendons grâce pour les enfants que tu nous as donnés. Merci, Seigneur, parce que c'est un don que nous avons reçu de toi et nous voulons te les recommander, Seigneur. Sois avec eux, conduis-les, dirige-les, bénis-les, bénis-les, Seigneur. Et je prie qu'ils puissent s'enraciner et s'affermer dans ta parole, que tout ce qu'ils apprennent, Seigneur, reste dans leur cœur et qu'ils puissent les mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Allez, jeunes aussi, de 12 à 18 ans, vous avez un temps avec votre super moniteur. Merci beaucoup, Célestin, pour ça. Ok, il y a des offrandes. Il y a des offrandes qui passent, donc si vous avez une offrande, de la grâce. Et je voudrais souhaiter la bienvenue. Je vois une personne au milieu de nous que je ne connais pas. Bonjour, sois la bienvenue. Jeannette aussi. Bonjour, Jeannette, sois la bienvenue au milieu de nous. Donc, nous te souhaitons la bienvenue.
Et je pense que sans plus tarder, on va passer à la prédication. Donc, on a notre jeune cinquantenaire. On a un jeune cinquantenaire au milieu de nous qui est tout en feu et tout. Et on bénit le Seigneur pour la vie de Quen. Quen, tu peux venir. Donc, notre frère Quen va nous apporter une parole ce matin. Et est-ce qu'il y aura des blagues? Seigneur, merci pour Quen, merci pour sa vie, merci pour la parole que tu as mise dans nos cœurs. Tu nous connais, Seigneur, tu connais nos besoins et parle au travers de lui, utilise-le pour nous parler. Et je prie que nos cœurs soient réceptifs à recevoir ta parole, que ça ait sa porte du fruit, comme ce grain qui est tombé dans la bonne semence, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, que ton onction descende maintenant, Seigneur, alors que nous écoutons ta parole qui nous fait du bien, ta parole, Seigneur, qui nous libère de toute crainte, de toute peur, ta parole qui est là toujours présente au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Reçois toute la gloire. Amen. Amen. Je sais que se tenir debout en public pour une prédication ou bien pour lorsqu'on doit, même par exemple dans une entrevue en personne et puis vous devez parler. Donc pour certaines personnes, ce n'est pas si évident. Et puis même pour les gens qui parlent beaucoup, des fois aussi ils peuvent avoir, ils ne sont pas aussi bien préparés. Et, Alice a demandé s'il y a des blagues, mais les blagues viennent comme ça. Okay, donc. Donc, je me disais que il y avait cette personne qui devait passer une entrevue en personne. Et puis, il avait toujours ce même problème. Et puis, peut-être, certains d'entre vous pouvez vous identifier dans ça. Pendant l'entrevue, ou bien lorsque vous pouvez parler en public, subitement, vous avez donc la gorge, les lèvres très secs, la langue très sèche. Et puis, les paumes, les mains qui commencent à transpirer vraiment, n'est-ce pas? Et puis, vous ne savez même pas quoi dire. Donc, il devait passer une entrevue en personne et puis il a parlé avec un de ses bons amis pour lui demander conseil. Je veux vraiment réussir, mais j'ai ce problème. Et l'ami lui a dit, répète-moi encore le problème parce que je veux bien comprendre c'est quoi et comme ça je vais t'aider. Il a dit, pendant l'entrevue, je connais la réponse, mais quelque chose me bloque. Mes lèvres deviennent très sèches, donc je n'arrive pas à parler. Et puis, mes mains commencent à transpirer, les paumes de mes mains commencent à transpirer. L'ami a écouté, il a dit, ah, je sais la solution. Tu vas lui demander une minute, parce qu'on te dit, si tu as besoin d'une pause, tu peux. Tu vas dire aux gens qui te font l'entrevue, donnez-moi une minute. Et ce que tu vas faire pendant une minute, tu vas commencer à lécher tes pommes. Parce que tes pommes sont humides, tes lèvres sont sèches. Donc, tu vas donc ça va résoudre les deux problèmes. Donc je prie ce matin que je n'ai pas à besoin de faire ça. Et que le Seigneur nous parle vraiment puissamment à travers sa parole. Amen. Le titre du message, c'est le psaume 23. Le psaume 23, donc, c'est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je sais qu'au mois de décembre, pendant la prière matinale, le dernier jour où on s'est rencontrés, c'était justement le 23 décembre. Et la parole que j'avais à apporter dans le partage, c'est-à-dire que chacun prenait un jour, et puis c'était mon jour avant, vendredi. Donc, le Seigneur m'a dit que je dois partager le psaume 23, et quand nous entrons très très prochainement en 2023, c'est le psaume 23 qui va nous conduire tout au long de l'année 2023. Et puis aussi, lorsque Nicole avait organisé donc la fête surprise, que moi je ne savais rien vraiment là. Et puis elle a même contacté le pasteur Steve pour
Célestin a dit, Dieu dresse devant moi une table devant mes amis. Dieu dresse devant. C'est ça, devant moi, une table. Ouais. Donc pour moi, c'était une confirmation. J'ai même dit à l'école, oh, mais ça confirme justement parce que Célestin avait demandé à quelqu'un s'il y a un somme à lire. Puis j'ai dit, peut-être que quelqu'un va donner un somme à toi. Et puis là, c'est le message, c'est ça. Et puis, mais il a lu une phrase comme une introduction. Donc je remercie vraiment le Seigneur. Et puis ce que Steve a dit sur le psaume 23, ce sont des paroles très profondes que je remercie vraiment le Seigneur. Donc après plusieurs années, s'il y a quelque chose que je vais me rappeler pendant cet anniversaire de 50 ans, bien sûr la grande surprise que l'école m'a fait, mais surtout donc la parole que Steve m'a donnée. Donc ce sont des paroles de prophétie, des paroles d'encouragement. Et le Seigneur m'a dit de partager cela à vous, que c'est aussi votre partage. Ce n'est pas juste pour moi, mais ce que moi j'ai reçu gratuitement, je vous le donne aussi gratuitement. Donc, sans plus tarder, je vais demander à l'école de projeter ce que Pasteur Steve a dit. Je sais que plusieurs d'entre vous étaient là ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Mais je vais vous laisser donc écouter chaque parole qu'il dit et puis voir comment Dieu nous parle à travers cela. Et bien sûr, il y aura quand même le message. Après, on va continuer. Donc, Nicole, tu pourras donc projeter ma demande. Merci. Hey, Gwen. First of all, happy birthday. Hope you're having a great Christmas time and a great time off, hopefully. I wanted to give you this very quickly, this word, for your next 50 years. And it's a very familiar scripture to us. It's in Psalm 23. And it just says, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the quiet waters and he restores my soul. I believe this is going to be something that you're going to experience increasingly over the next season of your life, is the Lord being your shepherd, where you're not going to be in want. He's going to cause you to lay down in green pastures. He is going to be the restorer of your soul. Then it says, he guides me in paths of righteousness for his name's sake. And I believe that that is what God has done for you, and is what he is doing. He's guiding you in paths of righteousness, but for his name, not just for you, because God loves you and God wants to demonstrate something of who he is through your life. And then it says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. And I just feel that even when you go through the difficult times, even when you go through the hard times, that you're just not going to have any fear. And that God's just going to deliver you from fear entirely. And that's not going to be a part of your life. Worry and anxiety and fear are going to go. And it says, for your rod and your staff, they comfort me. And you're knowing the protection and the direction of God and the comforting of that. But then it says this, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup overflows. And it's in these tight places, in the difficult places, that it goes from the Lord being he to the Lord being you. And there's a beautiful intimacy that comes when we go through difficulties, when we go through hard times. But that even though we're going through sometimes those things, that if we look around, there's a table of himself that he's prepared for us. And there's also an increase of anointing. And I believe that you're going to go from strength to strength and from anointing to anointing. And when things are difficult, when things are challenging, for you to look around and just see the table that's all around you and the anointing that's available. And then lastly, it says, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And I believe that is a word over you, that surely his love, his covenant, his hesed is going to chase after you all the days of your life, and you're going to dwell in his house and in his presence forever. Love you, Quinn, and look forward to your next 50. C'est vraiment pour moi. Parce que lorsque tu lis le psaume 23, c'est
C'est vraiment bon pour toi. Et ce que je prie ce matin, que Dieu te parle à travers ce son. Ok, donc... je vais donc commencer par le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc ici, on voit que David, il parlait de son expérience, parce que nous savons que David, il était berger. Et puis le berger, lui, il a le devoir de protéger ses brebis. David lui-même a dit à Saül, le roi Saül, comment il défendait ses brebis contre les prédateurs. David mettait même sa vie en danger lorsque l'ours ou les prédateurs venaient pour attaquer les brebis. David dit que l'Éternel est mon berger. Donc, il dit, enfin, ce qu'il disait, donc, c'est que l'Éternel fait comme moi, je fais comme un berger, mais l'Éternel fait plus que moi. Oui. Donc, David avait une idée, ce que fait le berger, comme lui le fait. Mais lorsqu'il dit que l'Éternel est mon berger, cela veut dire que c'est l'Éternel lui-même, le berger. Et il fait beaucoup plus ce que David pouvait faire lui-même. Le berger, lui, il pourvoit aux besoins de ses brebis. Et puis nous voyons que même ici au Canada, par exemple, même en hiver, lorsque rien ne pousse, les brebis ont de quoi manger. Pourquoi? Parce que le berger connaît les besoins de ses brebis. Les désirs du berger humain sont limités par sa capacité physique, mais pas Dieu. Dans le psaume 121, verset 4, nous lisons, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tout à l'heure, j'ai dit que le berger humain, donc, il est limité par sa capacité physique ou par d'autres capacités humaines, mais pas Dieu. Et notre berger, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et ce matin, je crois vraiment qu'il y aura donc des paroles prophétiques. Et lorsque nous allons voir les caractéristiques de notre berger, si vous sentez que je vous dis, je t'appelle par ton nom, j'aimerais que tu puisses recevoir cela avec foi. Donc pour cela, j'ai besoin de savoir donc les noms des personnes que je ne connais pas. Je ne dis pas qu'il y aura forcément une parole pour vous, mais si Dieu me dit, oui, juste en arrière de Marie-Rose, à côté de Marie-Rose, oui, tu t'appelles comment? Oui. Jeannette, oui. Jeannette, Delphine, Jules, et puis... Oui. Joséphine, ok. Joséphine et Jeannette. Ok, si vraiment, au cas, pendant la prédication, donc, le Seigneur nous parle, donc, ok. Donc, ici, nous voyons que notre berger à nous, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et puis, je pense que ça, c'est vraiment un grand réconfort pour nous de savoir que notre berger, il ne dort ni ne sommeille. Et je sais que Dieu, donc, il peut apporter la guérison, il peut apporter la restauration à travers sa parole. Et puis, quelqu'un m'a dit, Quen, moi, je crois vraiment que Dieu peut aussi apporter la guérison à travers toi lorsque tu fais rire les gens. Okay. On reste ici. Okay. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Au fait, on continue. Le berger inspecte chacun de ses brebis. Le berger, il inspecte chacun de ses brebis. Pour les gens, donc, dans l'ancien temps, ils comprenaient vraiment donc, ce concept, que ce n'est pas juste un troupeau de brebis,
Mais lorsque le berger fait sortir le troupeau ou lorsque le berger ramène le troupeau, il doit inspecter chacun des brebis pour voir est-ce que l'animal est en santé, est-ce que l'animal est blessé, est-ce que l'animal a besoin des soins particuliers ou bien est-ce qu'il manque quelques brebis. Donc le berger fait l'inspection de chacun de ces brebis. Maintenant, imaginez Dieu lui-même qui est notre berger, qui fait l'inspection de chacun de ses brebis, chacun de nous. Lorsque j'ai préparé ce message, je voulais vite parcourir les 6 versets, mais je me suis arrêté longuement sur le premier verset. Parce qu'il faut vraiment comprendre ce concept que l'Éternel lui-même est notre berger. Et je pense qu'on va s'attarder longuement sur ce premier verset. Dieu lui-même est notre berger. Il inspecte chacun de ses brebis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il te connaît personnellement et par ton nom. Il te connaît par ton nom. Ce matin, notre berger nous inspecte. Et je voudrais que pendant cette prédication, nous puissions aussi prier, nous puissions aussi voir cela dans notre vie. Et donc, je vais prier plusieurs fois lorsque nous parcourons les différents versets. Le Seigneur nous inspecte et je voudrais que ce matin nous puissions donner la permission à Dieu de dire Seigneur, inspecte-moi, Seigneur, parce que je fais partie, Seigneur, de ton troupeau. Seigneur, inspecte-moi complètement, Seigneur. Vois tous mes problèmes, mes fardeaux, tout ce qui ne va pas en moi. Et si je suis, Seigneur, sur une mauvaise voie, ramène-moi, Seigneur. Le Seigneur fait l'inspection de chacun de ses brebis. Donc, je voudrais prier ce matin dans ce sens. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous inspectes, Seigneur. Que tu donnes, Seigneur, la permission, Seigneur. Viens, Seigneur, nous inspecter, chacun de nous, Seigneur. Tous nos problèmes, tous nos soucis, tout ce qui ne va pas bien en nous, Seigneur, fais une inspection complète, nous te demandons Jésus. Viens inspecter, Seigneur, chacun de nous, parce que tu es notre berger, Seigneur, et tu prends soin de nous. Amen. Lorsque Dieu fait l'inspection, il se soucie aussi des brebis égarées. Il va à la recherche pour les ramener à lui. Ça fait partie du travail du berger. Pendant l'inspection, s'il remarque qu'il y a une brebis ou quelques brebis qui sont égarées, il va à la recherche. Est-ce que ce matin, tu connais quelqu'un qui ne marche plus dans le Seigneur et tu as ça à cœur? Pourquoi ne pas demander au Seigneur aujourd'hui, va à la recherche de cette personne qui s'est éloignée de Dieu, du droit chemin, pour qu'il retourne dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de parents, par exemple, qui prient pour leurs enfants et savent que ces enfants sont déjà adultes, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils prient, ils demandent la grâce de Dieu. Ces enfants ont entendu la parole de Dieu, ils allaient à l'église, mais pendant l'adolescence, pendant l'âge adulte, ils sont détournés. Ce matin, nous allons prier que Dieu ramène ces enfants, ces jeunes, ces adolescents, même des adultes, à lui. Donc, veuillez prier avec moi pour que Dieu ramène ses enfants dans la bergerie, dans la maison du Seigneur. Parce que c'est seulement dans la maison du Seigneur qu'ils pourront avoir la joie, la paix, l'amour. Tout ce qu'ils recherchent dans le monde, c'est seulement dans la maison de Dieu qu'ils peuvent trouver tout cela. Seigneur, je prie, Seigneur, que toutes ces personnes, Seigneur, qui sont éloignées de toi, que tu puisses, Seigneur, les ramener dans ta maison. Que tu guérisses leur cœur, Seigneur. Que tu puisses leur dire que tu les aimes, que tu les as jamais abandonnés. Pour tous ces parents, Seigneur, qui prient pour leurs enfants, pour leurs jeunes, pour leurs adolescents, pour qu'ils puissent vraiment avoir cette relation de communion avec toi, te connaître comme un Père qui les aime. Je prie que tu répondes à l'appel, Seigneur, de ces prières. Parce que tu
tu as dit, Seigneur, tu vas même laisser les 99 pour aller à la brebis qui s'est égarée. Et ce que nous demandons ce matin, Seigneur, que tu ailles, Seigneur, chercher. Et tu sais où ils se trouvent, Seigneur. Même ces parents qui n'ont pas des nouvelles de leurs enfants, Seigneur. Mais toi, tu sais exactement où ils se trouvent, en quel lieu, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Ramène-les à toi, que tu le demandes. Amen. La deuxième partie du verset 1 dit « Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. » Pourquoi? C'est quoi la réponse? Quelqu'un te dit « Je ne manquerai de rien. » Et si on te demande pourquoi? C'est parce que Dieu a tout. C'est pour ça que je ne manquerai de rien. Il est Dieu. Tout lui appartient. Tout l'or, tout l'argent, toutes les richesses, tout ce qui est sur la terre, tout appartient à Dieu. Et s'il est ton berger, tu peux dire oui, je ne manquerai de rien. Parce que Dieu a tout, tout appartient à Dieu. Parce que je suis la brebis de l'Éternel, et l'Éternel lui-même est mon berger. Voyez un peu donc cette grandeur, l'ampleur de cette phrase. Parce que j'appartiens à Dieu. Et l'Éternel lui-même est mon berger. L'Éternel lui-même est notre Dieu. Notre Dieu, il est le commencement et la fin. Il est le puissant guerrier. C'est lui ton berger. Donc, ici, le Seigneur me dit, voilà l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le puissant guerrier, il est ton berger. Il est le commencement et la fin. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui ton berger. Donc, Alice, Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu tout-puissant qui a créé tout l'univers, c'est lui ton berger. Celui qui te connaît même depuis le sein de ta mère, c'est lui ton berger. Celui qui donne la vie en abondance, Nicole, celui qui donne la vie en abondance, Jésus-Christ, c'est lui ton berger. Il te donne la vie en abondance, c'est lui ton berger. Le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, Marie-Rose, c'est pour toi, c'est lui ton berger. Le Dieu omniscient, omnipotent, il connaît tout, il est partout. En tout temps, ton berger est là pour toi. Il connaît tout pour Marie-Rose. C'est lui ton berger. Celui qui pourvoit, celui qui fait pleuvoir lorsqu'il n'y a pas de pluie pendant des années, pendant la sécheresse, il pourvoit aux besoins, même de la veuve, comme nous voyons dans la Bible. Celui qui pourvoit, parce que les gens disent qu'il n'y a pas d'espoir, c'est la sécheresse. Espérance, c'est lui ton berger. Le Dieu qui pourvoit en tout temps, qui ne délaisse pas ceux qui crient vers lui, c'est lui ton berger. Le prince de la paix, le prince de la paix, Delphine, c'est pour toi, c'est lui ton berger. Ce matin, je n'ai pas préparé à qui je vais dire ça. Ces paroles sortent comme ça. Et Dieu me dit, c'est pour telle personne, je lance, je donne les paroles. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, et à son nom, tout genou fléchisse, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et c'est pour toi, celui à qui tout genou fléchisse. Personne ne peut le résister. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est lui ton berger vivre. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, en parlant que je ne manquerai de rien, nous lisons, et Dieu peut vous combler de tout.
toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Donc pour Jean-Claude, pour Josiane, c'est pour vous ce verset. Votre berger, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Non seulement vos besoins, mais vous avez encore en abondance pour toutes vos œuvres. Donc je voudrais que ce matin, vous ne revenez pas à ce que vous avez devant vous, ce que vos mains ont accompli, mais croyez donc en la grandeur de Dieu, que vous ayez encore en abondance. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, j'en ai, mais c'est juste suffisant. Mais si Dieu nous dit, ce n'est pas juste suffisant, mais tu as encore du reste, il te reste encore en abondance. Il te reste du surplus, du superflu, pour que tu puisses bénir les autres. Et cette parole, c'est aussi pour Gerson et la famille. Ce surplus, cette abondance qui vient de Dieu. Et ce matin, nous allons prendre cette occasion de prier pour les gens qui sont dans le besoin. Pour les gens donc à qui j'ai dit que cette parole est particulièrement pour toi. Tu peux élever ta voix, comme j'ai mentionné donc Jean-Claude et Josiane et Gerson et Grâce. C'est l'abondance que Dieu vous donne, ce superflu. Vous avez encore beaucoup qui reste. Tu peux prier pour que Dieu bénisse ceux qui sont dans le besoin. Donc, élevons la voix et demandons à Dieu de pourvoir aux besoins. Si tu connais quelqu'un dans le besoin, prie. Et parce que vous aurez cette abondance, ce surplus, Dieu va te mettre dans ton cœur à qui tu dois aller vers pour partager, pour bénir, pour subvenir aux besoins de ces personnes. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, pour ces gens qui sont dans le besoin. Et je prie, Seigneur, que tu les bénisses, que tu viennes à la rencontre de leurs besoins ce matin, Seigneur. Pour voir à chacun de leurs besoins, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, ce cœur, Seigneur, à partager aux autres. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Ok. Le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ici, nous voyons que le Seigneur nous donne le repos. Le Seigneur nous donne le repos. Et c'est pour toi, excusez-moi, j'ai encore oublié, Jeannette, voilà, Jeannette, c'est pour toi, Jeannette. Dieu n'oublie pas ton nom, ok. Donc, Jeannette, c'est pour toi cette parole. Dieu te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des opposés. Il donne le repos à ton corps physique. Il donne le repos à ton âme. Jésus qui nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » J'amène ce vraiment pour toi. Tous les jours, tu peux réclamer cette promesse de Dieu. Tu peux venir à Jésus tous les jours. Parce qu'il te dit, venez à moi. Viens à moi, Jeannette, tous les jours. Et il te donne le repos chaque jour. Verset 3. Ici, nous voyons qu'il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu qui restaure mon âme. Nous voyons la guérison ici, la guérison physique, la guérison émotionnelle. Il va même au-dedans de notre âme pour le restaurer.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour les gens qui crient à Dieu pour la justice, des gens qui voient beaucoup d'injustice autour d'eux et qui ont soif de la justice, il te conduit dans les sentiers de la justice. Il te conduit dans les sentiers de la justice. Si c'est toi ce matin, tu peux réclamer. Ça, c'est à moi. Même si je ne mentionne pas ton nom, mais tu ne dois pas dire que Dieu t'a oublié ce matin. Tu peux dire au Seigneur, il y a eu beaucoup d'injustice. Et ce matin, Seigneur, c'est à moi ce verset. Tu vas me faire justice. Tu es plus grand que les hommes. Tu es plus grand que la justice humaine. Tu vas me conduire, Seigneur, dans les sentiers de la justice. Et à travers cela, je vais aussi voir mon âme restaurée. Toutes les douleurs vont partir, les douleurs qui sont accumulées pendant des années. Je ne sais pas, mais c'est pour toi, Jean-Pierre. Ouais. Je sens que c'est vraiment pour toi. Dieu restaure ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas ta propre justice, Jean-Pierre. Dieu te parle directement. Ce n'est pas ta propre justice. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va bien, où est-ce que tu es dans le Seigneur? Dieu te conduit. C'est lui-même, Dieu lui-même va te conduire. Il te prend par la main, il te conduit dans les sentiers de la justice. Et tout ce qui est juste devant Dieu, tu vas aimer ces choses-là. Tout ce qui est droit, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tu vas dire, c'est ça que je désire. Et Dieu restaure ton âme à travers ce processus. Donc, nous allons maintenant prier pour les personnes qui ont besoin de restauration, des blessures internes graves, douloureuses, et qui ont soif de la justice de Dieu, et qui ont aussi besoin de pardonner. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qui ont soif de justice, qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'être pardonnés, des gens qui sont blessés à l'intérieur. Je prie, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, ta paix ce matin et qu'ils puissent savoir que tu es un Dieu qui est juste et que tu vois la souffrance, Seigneur. Et que ces gens-là reçoivent ta paix ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est avec toi, même dans les épreuves. Tu n'es pas seul dans ces moments-là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est un processus, tu marches. Dieu te dit, il ne faut pas t'arrêter. Ce n'est pas dit ici lorsque je marche et que je m'arrête. C'est dit lorsque je marche, je ne crains aucun mal. Et pour le frère qui est tout au fond, c'est pour toi. Dieu te dit, ne crains pas. Shadrach, ouais. Comme Shadrach avait été dans la fournaise ardente, ouais. Donc Dieu te dit, Shadrach, Dieu te dit, ici on ne voit pas la fournaise ardente, mais on voit la vallée de l'ombre de la mort. Je pense que c'est aussi pire que la fournaise ardente, la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque tu te rappelles ces difficultés, Shadrach, n'aie pas peur. Tu peux toujours appeler à ton Dieu. Il te dit, ne crains pas. David dit ici, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ton Dieu, il est avec toi. Donc, je veux que tu puisses te rappeler de cela, Shabbat, que ton Dieu est avec toi dans toutes les épreuves. Mais il faut que tu marches, il faut que tu traverses. Tu ne peux pas rester là où tu es. Et puis, tu ne peux pas dire, ça va, je ne veux pas continuer. Dieu t'appelle à continuer à marcher parce qu'il est avec toi. Il veut que tu puisses traverser cela. Tu dois traverser. Il est avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
tu as sa protection. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu vois brûler ma tête et ma coupe déborde. Donc, cela veut dire que même dans la présence de l'ennemi, de l'adversaire, il y a de l'espoir. N'est-ce pas? Parce que si nous voyons la promesse, tu dresses devant moi une table, même en face de mes adversaires. Il y a de l'espoir, même dans la présence de l'adversaire. Ouais. Ici, il y a dans Proverbes chapitre 16, verset 7, c'est dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Tu m'as vu? Parce que tu as la faveur de Dieu en toi. Tu appartiens à Dieu. Et puis ce que Dieu nous dit ici, il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Même ceux qui veulent te faire du mal, ils vont commencer à se poser des questions sur toi. Et puis ils disent, non, pourquoi est-ce que je dois faire du mal à cette personne? Ils ne te connaissent même pas. Mais parce que tu as la faveur de Dieu en toi, Dieu dispose favorablement à ton égard, même les gens qui ne t'apprécient pas. Tu as la faveur de Dieu aux yeux de ton patron, de ton superviseur, de ton gestionnaire, de ton directeur. Dieu dispose favorablement même toutes ces personnes. Si c'est pour toi, tu n'as qu'à lever la main. Tu dis, Seigneur, moi, je veux ce verset, c'est à moi. C'est à moi. Parce que des fois, je vois que je ne sais pas pour quelle raison on ne m'appelle pas, je ne suis pas choisi. C'est comme si on ne s'intéresse pas à moi, c'est comme si je n'ai pas d'importance. Mais aujourd'hui, ça va changer. Seigneur, dispose favorablement à mon égard toutes ces personnes, Seigneur, pour je ne sais pas pour quelle raison, sans m'oublier. Donc, attends-toi à des changements. Attends-toi à ce qu'on t'appelle. Attends-toi à ce qu'on te dit, mais j'ai besoin de tes conseils. Attends-toi à ce qu'on te dit, viens devant. Parce que je vous dis que la prédication de ce matin, Dieu parle. Il faut s'attendre à de grandes choses. Il faut se dire que ça, ce n'est pas des paroles qui sortent de la bouche du coin. Mais Dieu parle à travers moi et nous donne cette parole, sa grâce et sa faveur. Et le dernier verset, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Surtout pour les gens qui, arrivés à un certain âge, se posent des questions sur la vie, et puis ils savent que, par exemple, que où est-ce qu'ils vont passer le reste de leur jeu ici sur la terre, lorsqu'ils seront âgés. Mais ici, c'est dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je voudrais que nous puissions toujours nous rappeler de cette parole. Peu importe l'âge que nous avons, à partir d'aujourd'hui, nous commençons déjà à habiter dans la maison de l'Éternel. Et cela jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc pour les personnes à qui je n'ai pas mentionné, oui, c'est pour le papa d'Alice. Lui-même. Oui, lui-même. Donc, cette parole, c'est pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et vous pouvez dire avec assurance que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est dans la maison de l'Éternel que vous habitez. Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Je connais par exemple, j'ai entendu cette histoire de cette dame que
lorsqu'elle doit sortir, elle devait porter deux sacs. Mais des fois, lorsqu'elle est déjà sortie et qu'elle a oublié, oh, un sac ou l'autre et tout ça. Donc, lorsqu'elle a vu ce verset, elle l'a interprété de cette façon. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc, quand c'est deux sacs, elle a appelé un bonheur, l'autre grâce. Donc, ces deux sacs-là vont m'accompagner chaque jour. Donc, depuis ce jour-là, elle n'a jamais oublié d'apporter ces deux sacs. Ok. C'était son interprétation. Mais ici, vraiment, Dieu nous dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu une parole que je n'ai pas mentionné le nom? Oui, votre nom? Jules et Josan? Oui. Oui. Ok. Ok. Donc, pour la personne qui n'a pas reçu, donc c'est ça. Ok. Donc, le bonheur et la grâce. Donc, Dieu et toute la famille, c'est ça? Oui. Le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Amen. Delphine aussi. Oui. Joseph, oui. Ok. Oui. Donc, c'est pour nous tous, en fait. C'est pour nous tous. Oui, c'est pour nous tous. Parce que je ne voulais pas que quelqu'un qui dise oui, mais je n'ai pas reçu. Non, tu as reçu. Tu as reçu. Ok? Oui, Delphine. Ok. Donc, ici nous voyons que l'Éternel lui-même est notre berger. Moi, lorsque je pense à cela, cela me dépasse vraiment. Le Dieu de l'univers lui-même, c'est pas n'importe qui. Le Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui ton berger. Celui qui ne sommeille pas, celui qui ne dort pas, c'est lui ton berger. Amen. Contrairement à ce garde qui travaillait le soir et à qui on avait chassé, parce que lui, il dormait. Et puis son patron a remarqué, et puis il a chassé, et son patron a mis dans le journal une annonce, usine avec tant de marchandises, cherche urgentement gardien de nuit. 5 jours après, quelqu'un s'est présenté en personne. Et puis il a tout dit, pourquoi est-ce que lui devait voir la personne qualifiée, toute l'expérience. Et puis il a même dit, moi je ne dors pas, parce que je travaille. Parce que je sais qu'il y a des patrons qui ont chassé les gardes de nuit, mais si vous m'embauchez, je ne dors pas, je fais un bon travail. Donc 5 jours après, il est venu pour essayer de convaincre le patron. Le patron a dit, je suis convaincu et j'aurais tellement voulu vous donner ce poste de gardien de nuit dans mon usine qui a tellement de marchandises et tout cela. Et puis, il a dit, mais pourquoi vous ne me donnez pas? Pourquoi vous dites, je voudrais tellement me donner ce poste? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un? Et puis le patron dit, non, je n'ai pas trouvé quelqu'un, mais c'est vous la personne, mais je voudrais tellement que je ne peux pas. Et la personne a dit, je ne comprends pas. Vous dites que j'ai toutes les qualifications, je suis la personne que vous voulez, mais pourquoi vous ne me prenez pas? Et puis le patron a dit, ça fait 5 jours, et puis vous êtes venu. Depuis que j'ai lu l'annonce dans les journaux, avant ces 5 jours, il y a aussi des cambrioles qui ont vu mon annonce et sont passés dans mon usine avant toi. Donc, j'ai plus besoin de gardien de nuit. Mais notre Dieu, il n'est pas comme ça. Vous voyez un peu? Le gardien de nuit, il peut dormir. Il
veut s'honorer. Mais Dieu, lui, il ne dort ni ne sommeille. Je ne sais pas, mais dans mes prédications, des fois ça peut faire rire. Mais Dieu m'a dit, à travers des paroles prophétiques, quoi lorsque tu prêches, si tu racontes quelque chose qui fait rire aux gens, ça les détend, ça apporte aussi la guérison. Le rire, ça apporte la guérison. N'est-ce pas? Donc, j'ai terminé avec mon message. Je ne sais pas si l'équipe de louange, vous avez un chant. Donc, je vais prier pour clôturer. Et si vous me demandez quoi, c'était quoi la parole que tu as dit, je vous dis, je ne sais pas à qui j'ai donné. Je n'ai pas noté. J'ai juste donné comme ça, comme le Seigneur. J'ouvre mes yeux, je regarde, et puis Dieu me dit, Alice, c'est pour toi. Yves, c'est pour toi. Marie-Rose, c'est pour toi. Donc, oui, c'est enregistré. Donc, ce qu'on va faire, on va lire le psaume 23, 1 à 6, tout le monde ensemble. Mais juste avant que garçon le joue, Nicole a quelque chose qu'elle va partager. C'est une par famille. Et juste après ça, donc, on va lire le psaume 23. Et puis, garçon, donc, on va compter avec la branche. Donc, lorsque je préparais ce message, Dieu m'a dit que, comme grâce à lui, que le psaume 23, c'est à moi. Alors, si c'est à moi, il faut que je vois le psaume 23 tout le temps chez moi. Il faut que je puisse méditer sur ce psaume. Et Dieu m'a dit quoi? Utilise ta créativité pour bénir l'Église. Et c'est comme ça que Dieu, je voyais dans une vision, Dieu me dit, fais ça, va imprimer. Tu vois, achète les cadres. Voilà. Donc, si vous l'avez déjà, on va lire 1 à 6. Vous pouvez lire déjà, soit c'est projeté, ou bien vous pouvez directement lire. Ok. Ok, on y va tous ensemble. Psaume 23, verset 1 à 6. Verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu endures ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un moment, juste de mettre debout, puis remercier le Seigneur pour son message. Dans vos propres mots, dans vos propres paroles, parlez à l'Éternel. Et juste remercier le Seigneur pour son message. Thank you.
restaure, Seigneur, son âme, Seigneur. Que tu la guérisses complètement, Seigneur. Que tu guérisses, Seigneur, son corps physique. Que tu enlèves tout ce qui ne va pas en elle, Seigneur. Rétablis-la complètement, Seigneur. De la tête aux pieds, Seigneur. Merci pour la guérison que tu donnes à Esther. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. Merci, Jésus. Merci pour ton corps blessé pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu as été à la croix pour nous. Merci, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé pour nous. Nous te sommes si reconnaissants. Nous te sommes si reconnaissants, Jésus. Prenons le pain ensemble. Et Jésus a aussi versé son sang pour nous. Son sang a coulé à la croix pour nos péchés, pour nous racheter, pour nous ramener au Père. Il n'y a aucun berger qui va faire cela. Mais notre bon berger, Jésus, il a donné sa vie. Ses côtes ont été versées, son sang a coulé. Nous te disons merci, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait pour nous sur la croix. Merci, Seigneur. Amen. Nous prenons donc le jus ensemble. Oui, Seigneur.